Ah mes vapoteurs, bonjour. Premièrement, je m'excuse pour le bruit, pour le vent. J'ai pas de micro là, je filme juste sur un téléphone. Je m'excuse pour la chemise bien froissée, on s'en fout. Et je pense que c'est pour la première fois sur cette chaîne que je vais reviewer un liquide fruité, frais. Reine Terrenette de chez Curieux. Un liquide en 40-60 qui nous vient dans un flacon de 70 ml conditionné à 50 ml. J'ai rajouté un booster, donc j'ai dû 60 ml en 3 mg. C'est un liquide que j'ai revendu à un de mes clients. Et je l'ai testé hier sur son setup Drop Solo sur la Kudos de Hypovap, une box que je lui ai vendue aussi. Qu'est-ce qu'elle est bonne cette box. C'est une Skunk. Single 18650, elle monte jusqu'à 80 watts, mais bon, on est à 50 watts. Ce qui est fou sur cette box, c'est la fonction boost. Tout le temps, elle est à 50 watts. Et on assèche la batterie et elle produit de la puissance. Pomme Litchi, Reine des Rainettes. La vidéo, elle sera courte. Putain, ce qu'il y pense, ce liquide. Et oui, c'est un liquide que j'ai revendu à mon client. C'est un liquide que je revends sur ma boutique à 170 dirhams, booster inclus. Je me disais qu'il était bon, mais quand je l'ai testé sur le setup là, il est excellent, le litchi. Il est parfait. La pomme, elle ramène une petite acidité. C'est frais. Pas extrêmement frais, genre ça me fait pas mal aux dents comme un Fighter Fuel par exemple. Single coil 50 watts. Et je pense sur un autre atto il sera encore meilleur. J'aime pas le drop. Ça c'est le drop solo de chez DJ Flavor et en collaboration avec The Vapor Chronicles. Franchement, ça fait un beau setup là. Oui, je drip parce que la boîte n'est pas remplie. Mon client, il voulait pas se conquer. Donc, elle a une petite fiole là, elle est vide. Excellent fruité. J'ai rien à dire d'autre. Vive la vape et ciao!